Deliver us, the moon. Salut à tous, c'est Nero Game. On se retrouve dans Deliver Us. À mon avis, je peux interagir avec. Bon, on va peut-être pas ouvrir plus que ça, hein. Pas forcément envie qu'ils viennent m'emmerder. Ah, voilà. Et donc là... C'est la route de sortie. Oui. C'est quoi l'étage du dessus? Étage où je me disais, mais comment je vais faire pour y monter en fait? Alors qu'en fait, il y a un escalier et tout. Là, à mon avis, là, il y a tout un circuit pour que j'y balance quelque chose. Par contre, faut pas qu'ils me disent que là, ils veulent que j'emmène le chariot de tout à l'heure jusqu'ici. Hein. C'est pas possible. J'ai moyen de passer ici. Du coup là, je l'enlève. Boum. Et je connecte l'autre côté. Je sors par là. Ah merde, il faut pas passer. Bon. L'endroit... Je sais pas s'il est là. Ah. Oh. Ce jeu qui me laisse pas passer là où je veux. Là, j'ouvre ici entièrement.
Je vais aller faire du repérage. Oui, parce que j'aurais pas passé par cette zone-là juste pour du... d'autres choses. Donc là. Il y a lui, là. Tac. Il fait sa ronde en ligne droite. Comme l'autre à l'autre bout. Et... Je ne passe pas là. Il faut que je passe là, derrière. Et que j'arrive à aller... jusque par là pour remonter sur les caisses et passer l'autre côté. Voilà, il n'y a pas trop de choses gênantes, juste ce petit robot là. Mon propre robot vient de me faire peur. Il faut rester caché. Je bouge certaines choses. Et normalement, c'est le bon moment là. Tac. Tac. Putain. Putain. Oh, j'ai eu peur. Mais, genre... Voilà. C'est bon. On est passé. Le nouveau message. La famille. Je ne vous imaginais pas friande de bande dessinée. Elle me rappelle chez moi. La raison pour laquelle nous faisons tout ça. Capacité du réacteur, 4%. Vous savez, mon frère aimait beaucoup Moonman. Il adorait ses histoires. Il est né atteint d'une maladie. Chronique. Quand j'ai rejoint la WSA, il a cru que je l'abandonnais. Mais sans l'énergie de la MPT, sa clinique ne pouvait pas poursuivre son traitement. C'est tout ce que je pouvais faire pour l'aider. Même s'il allait me détester pour ça. Nous essayons de les aider. Les gens que nous aimons. Nous faisons ce qui doit être fait pour les protéger. Même s'ils ne le comprennent pas. Mais parfois, on se trompe. J'ai amené ma fille Cathy ici. Elle est en cryo maintenant. Isaac ? Vous avez dit que votre fille vivait sur Terre. C'est Claire. Mon autre fille. On ne se parle plus. Allez dormir un peu. Nous réessayerons demain. Juste comme ça. Nous réessayerons demain. Le réacteur, en très peu de temps, pendant cet enregistrement-là, mais l'autre, il a perdu 1% en genre le temps qu'il cause. Là, il est rendu à 4%, il vient de lui dire. On réessayera demain. J'ai l'impression que ce réacteur, ces pourcentages, ils sont en scénarium. Hein. Donc, un petit tableau. D'autres infos. Insoutenable. Unsustainable. Ah. On ne peut pas soutenir... la planète entière. Exceed production capacity, run out of infinite amount of E3. On moon too fast. Quand reach average coverage percentage. The output 40 plus 5. 40 plus 5. Donc le plus 5, c'est le outward finish. 20% MPT coverage. 100% MPT output x 5, 225. On ira lire ça tout à l'heure. Ah, ça fonctionne encore ça. Du coup. Là.
8662 to get into the storeroom. Isaac, Sarah for any day today. Pour toutes les affaires du quotidien, utilisez 8662 pour accéder à la réserve. Okay. Nous aussi, on va l'utiliser. Moonman, New Flame. L'astronaute réveille un géant endormi tandis que son voyage périlleux atteint son point culminant. Il apprend que là où certains voyages se terminent, d'autres commencent. Actuellement, c'est nous, Moonman, en fait. On essaye de sauver la Terre. Jessica Hale, Star Maker. Faiseur d'étoiles, le créateur d'étoiles. Pas l'air d'avoir quoi que ce soit d'intéressant là ici. Hein. Une autre image de Moonman. On se trouve dans le stockage où il y a un autre message aussi. Et nous, on est où là actuellement ? À ce trajet. Ah bah, on est juste à côté. Parfait. Je croyais que ça m'amènerait à autre part, mais en fait, ça m'a amené là où je voulais. Attends. J'ai vu un autre... supposément un autre trajet. Ah non. Non, il n'y avait qu'un seul trajet. Tac. Un iPod. Sarah Baker. L'a laissé ici. Il est arrivé quelque chose parce que... Quand même. On peut encore faire du sport. Donc 8062. On écoute le bien commun. Capacité du réacteur, 3%. Nous manquons de temps. Nous sommes forcément passés à côté de quelque chose. Nous avons examiné tout le système. Si nous ne trouvons pas rapidement un moyen d'entrer, la Terre sera perdue. Sarah... Celle... Elle n'est déjà plus qu'une étendue désolée. Oui, je sais. On a foiré. Pendant des siècles. Mais la MPT peut nous donner le temps nécessaire pour corriger tout ça. J'aimerais y croire. Nous y croyons tous, Isaac. C'est pour ça que la WSA existe. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Qu'allons-nous dire à tous ceux qui vivent encore sur Terre ?
Ça ne devait pas se dérouler ainsi. MacArthur a ordonné à tout le personnel de charger l'hélium dans les monorails et d'évacuer. Il disait que le réacteur était dangereux. Et les gens l'ont suivi ? Ils ont obéi aux ordres. Mais certains ne lui faisaient pas confiance. Tout. Ils ont résisté. La situation a dégénéré. Des combats ont éclaté. Un monorail a même déraillé. Et les unités AS ? MacArthur en a fait des armes. Ils pouvaient surcharger leurs limiteurs de sécurité. Mais pourquoi ? Pourquoi les retourneraient-ils contre les nôtres ? William MacArthur est un homme pragmatique. N'oubliez jamais ça. Il ne bronchera pas s'il estime qu'il agit pour le bien de tous. Et c'est ce que nous leur dirons sur Terre. Nos collègues ont donné leur vie pour le bien de tous, quel qu'il soit. Ouais. C'est chaud quand même. Donc, c'est bon. Et ce qu'il me faut pour démolir la petite plaque en béton. Je me refoute dans la merde. Je me mets dans le bon sens tout de suite. C'est la limite. Hein. C'est la limite. J'aurais dû laisser l'ascenseur en bas, je pense. Que du coup là oui moi je suis ici mais bah, le robot du coup qu'il faut qu'il passe je fasse un bout de route dans le sens inverse jusqu'à là bas en fait le risque. Là. C'est bon. Ensuite, on passe par l'ouverture de maintenance. Quartier déconnecté. Forcément réussi à faire quelque chose pour le réacteur parce que sinon 5 ans après moi je serais pas là à vouloir essayer de le réactiver. Ça ferait aucun sens. Bizarre.
l'impression que c'est le... le sol qui bouge. Tac. Yep. Ça, c'est fait. Là, on est dans le cœur. Non ? Là, on est entre le 3 et le 4. Donc, c'est entre 4 de l'équipage et la cabine de contrôle du réacteur. Examiner ce papier. Dans ce papier usé se trouvent des esquisses et des dessins, des informations détaillées concernant la parabole MPT, la batterie et le réacteur à fusion. Verso, souriez comme s'il s'agissait d'une blague. Il nous surveille à l'aide de l'AS. Vous voyez ces chiffres ? Mac A a parlé d'un dysfonctionnement du réacteur, mais les données semblent normales. Erreur ou mensonge? Il a menti. Les gens doivent savoir la vérité. Utilisez l'interphone et souriez. Mac A va nous tuer. Il n'ira pas bien loin. Nous n'avons pas le choix. Vous les avez entendus. Nous ne pouvons pas abandonner la MPT ou la Terre. Nous devons faire quelque chose. Prenez ce micro. Donc, quelqu'un n'avait pas envie de se tirer. Et il a écrit des choses sur ce papier. Soit ces gens, ces deux gens-là, ou soit d'autres personnes qui étaient là avant, celles qui étaient censées s'occuper de la zone. Je préfère fouiller la zone d'abord. Que après, si j'active ça, peut-être que ça va m'activer une suite. Donc, capacité du réacteur 1%. Nous devons y accéder maintenant. J'ai plus d'idées. J'ai essayé tout ce que je savais. Réfléchissez, il est sur le point d'entrer en surcharge. Attendez, vous avez pas dit que MacArthur avait surchargé les limiteurs de sécurité? Pourquoi parlez-vous de MacArthur? Alex, isole la séquence de chiffrage 17B sur le réseau. Capacité du réacteur. C'est bon, on y est. Et maintenant? Il y a un arrêt d'urgence. Désactivation du réacteur. Ça a marché. Le réacteur se stabilise. Nous n'en avons pas encore terminé. Le réacteur ne pouvait pas envoyer d'énergie où que ce soit alors. Surcharge de la MPT. Dépressurisation immédiate. Les réserves sont sur le point d'exploser. Nous devons libérer cette énergie. Une transmission temporaire devrait envoyer... Du silence. Enfin. Oh, le réacteur. Il n'est plus dangereux? Non.
Mais cette force a désaligné la parabole de la MPT. C'est très grave? On peut la réaligner? Les commandes se trouvent dans la tour. Mais vérifions d'abord s'il reste de l'hélium. Analyse environnementale, partie 2. À deux doigts. Désespérée, Sarah utilise une méthode peu conventionnelle pour accéder aux commandes du réacteur. Isaac réagit rapidement et désactive le réacteur avant qu'il ne détruise Tombaugh. Néanmoins, le danger persiste, car l'énergie du réacteur a surchargé la batterie MPT. Isaac active brièvement une transmission MPT, mais l'énergie accumulée est libérée avec une telle puissance que la parabole MPT est désalignée. Ah. Trouvez-moi. Tableau privé. Mille. Un tableau recouvert de calculs troublants et étrangement cachés dans les toilettes des hommes, la découverte d'Isaac Johansson révèle une conclusion qui glace le sang. D'après la capacité de production du réacteur et la quantité limitée d'hélium 3 sur la Lune, oui, même si elle est énorme, elle est quand même limitée, la MPT ne peut pas répondre à la demande en énergie actuelle de l'humanité. Cette dernière doit changer. Alors, selon ce que je vois, moi, ce qui me manque, surtout dans le Trouvez-moi, qui s'est débloqué il n'y a pas longtemps, avec le famille, et tous les trucs que j'ai un peu partout, alors que, on va dire que j'ai quand même, je pense, avoir fouillé quand même pas mal, j'ai quand même beaucoup de trous. Tu te rends compte que moi je vais essayer de réactiver tout ça? Mais ils sont passés où du coup le temps? Parce que là on est à la fin. Tous les deux ils sont passés où? Ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? On trouve même pas leur corps. Moi je suppose qu'ils sont encore vivants, mais ils sont quelque part. 5 ans après c'est long. Et sur ce, on se laisse ici. Si l'épisode vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Des bisous.